Bien le bonjour à toutes et tous. Salut les gens. Alors ce matin, vers Nice, on a dormi deux jours là-bas. Là, on est en train de se diriger vers le col de la Bonnette. Toujours avec peu de moutarde allemand et puis notre petite adolescente. Vite, elle fait du bruit, sa meule. Censé être la plus haute route goudronnée d'Europe. Quelques semaines, le plus haut col goudronné d'Europe. Maintenant, la route la plus haute d'Europe à 2880 mètres. Que Google, il a annoncé. On a passé une journée complète à Villeneuve-Loubert. Alors, putain, ce que c'était mort. Et, j'avais souvenir du sud de la France un petit peu plus animé sur le bord de mer. Mais alors là, c'était pas super, super. Par contre, on a bien bouffé. Enfin, le deuxième soir, on a bien bouffé. Mais le premier, c'était pas terrible. Mais le deuxième soir, on a bien mangé. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un? On va suivre parce que sinon Yaya après elle me dit maman pourquoi t'es derrière quand il y a les virages. Bah ouais parce que tu traînes le cul avec ta BMW. Bah je pense qu'on va tout là-bas ou quoi. Ok. Oh, je meurs. Bah, essaye de te rapprocher un peu là, distance-toi pas. Ah ouais, déjà j'arrive, maintenant. J'arrive. Parce que t'es déjà en train de. Genre je crois que mes pneus ils fatiguent. La pauvre CB125 de notre, elle va cracher ses poumons. Voilà. Croûte. Au début du col. Ouais, il semble. Croûte de montagne. Absence de dispositif de sécurité. Ne vous foutez pas dans le talus. Croûte de haute montagne. Prudence recommandée. Attention, 2 4x4, 3 4x4. Ouais, salut toi. Bah disons qu'elle a pas souvent fait des routes de montagne le petit wasabi là devant. Bah si elle a fait de melondrue. Et puis en plus marcher que je sais même pas sa moto, je pense que du coup un arbre qui pleure. Tu es SOS, ça existe encore ça. Chez nous ça existe même plus. SOS c'est plus avec. Ah bah là il y a un truc de marcheur. Marche. Ah non, pêcheur. On va pêcher le poisson. Que la rivière elle est large mais encore une fois elle a pas d'eau. Putain, ils vont pêcher d'ailleurs quoi, pas d'eau. En semblant. 20 tonnes, je crois que c'est bon. Hein. Patate. T'avais une drôle de manière de pédaler quand même. S'ils pédalent comme ça, les gars, ils sont pas encore arrivés au. On aurait plutôt dit un chien. Enfin, tu pédales comme tu nages dans la mer, quoi. Marmotte sur 20 km. Bah dis donc, il s'est déhanché le pied pour te dire bonjour. Bah reste chez toi, garçon. Père de claque. Ça, c'est le Mont Pelé, là. Ça, c'est KTM, on en voit partout. Rien de très original. Salut les filles. Ah bah vous avez du monde derrière vous. Hop là. Il y a un camping-car qui descend si jamais. Voilà, c'est les Italiens. Cette position. Oh alors moi je suis comme dans mon canapé.
Elles sont où les marmottes? Marmottes! J'ai entendu quelqu'un. Tiens, baraquement. Bah ouais, je me demande à quoi elles servent ces maisons. Ah, je vous entends, vous êtes aux maisons? Ouais. C'est bizarre ces trucs. Bah, il est devant quelque part. Celui-là. La pétolette. Ah, la position, délire. Si, si, Regardez comme la montagne. Assassin! Assassin de papillon! Je l'ai entendu faire ce clutch dans ton truc. Et puis je l'ai vu s'écraser sur la route. De la bonnette. Enfin, pas encore tout à fait en haut, mais presque. Je fais du off-road. Ah, mes filles. Bon, on va arriver au col. On arrive en haut du col de la bonnette. La petite 125, elle est arrivée en haut. La petite pot de moutarde allemand, il arrive d'en haut. Le jus d'orange autrichien, ben, il semblerait que vu les 3 mètres et demi qui restent, on va arriver en haut. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette édition d'image qui bouge. À très bientôt. Au revoir. Ben, toi, il y a des gens en haut là-bas. Ouais, tout un peu beaucoup, ouais. Mais oui. Donc là, c'est la cime de la Bonnette. On va donc atteindre
le point routier le plus haut d'Europe, 2880 mètres. Si au vu du monde qu'il y a tout en haut de la montagne, il va y avoir du monde en haut. Ouais, effectivement. Putain, gros trou, hein. Yeah, mon super ado. 2880 mètres, 1125, à même pas 17 ans. La classe. Bien, il y a un peu beaucoup de monde. Un peu beaucoup, merde.